DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ni les repos dominicales, moins encore, la météo n'a pas empêché à la très dynamique Josunda Chansa, maire à Vinterine de Lubumbashi, à assainir sa juridiction. Déjà tous les matins de ce dimanche 7 juillet 2024, l'autorité urbaine, avec ses troupes, munies d'un atelier complet, constitué de camions, tricycles, des outils de nettoyage manuel et du camion anti-incendie, ont procédé au nettoyage du centre-ville. Toute la chaussée Laurent-Désiré Kabila a été prise d'assaut par les sapeurs-pompiers pour nettoyer la voirie, les séparateurs, les magasins ainsi que les arbres. Madame le maire, depuis que je suis né au Congo, je suis congolais, je n'ai jamais vu on est en train de torchonner la ville. C'est toute ma première fois. En tout cas, pour moi, je soutiens Madame le maire, Maman Joyce, à 100% que notre gouvernement puisse l'appuyer aussi à bonne initiative pour améliorer notre ville qui soit propre comme aujourd'hui. Tout le monde a ma polémique, tout le monde soutenir mon cas, il y a bien. Pour la ville, il y a un peu de la ville, il y a un peu de la il y a moins sur le terrain. Dimanche, il y a un peu de la ville, il y a un peu de la descendre sur le terrain. Matériel est complet. Nous avons beaucoup apprécié pour prêter que permanent, que cela ne puisse pas s'arrêter. En tout cas, c'est louable, en tout cas nous aimons ça et nous les soutenons. La première citoyenne de la ville, accompagnée des cantonniers du service d'assainissement, appuyée par les mouvements bénévoles des Rastafari, ainsi que ses administrés, ont assaini les longs des grandes artères du centre-ville. Sous la supervision de la dame de fer qui a fait du terrain son second bureau, ses équipes ont tour à tour enlevé les immondices à la grande place de la Poste, la chaussée Laurent-Désiré Kabila, les avenues Mouero, Sendoué et Lomami. Une action saluée à juste titre par la population. C'était une surprise pour moi. Et j'apprécie ça. Coup de chapeau à notre maire de la ville. Comme il va notre ville propre, c'est un acte vraiment qu'il faut beaucoup apprécier. Surtout que c'est la saison sèche. Oui, surtout vrai qu'il y a de la poussière partout, mais ça, quand même, ça rend aussi les gens propres voir un peu ça. Donc, j'apprécie beaucoup vraiment ça. Oui, en tant qu'habitant de Lubumbashi, en tout cas, ça me fait beaucoup de plaisir parce que le centre-ville était vraiment très sale, mais avec la nouvelle maire de la ville, elle est en train de faire le nettoyage du centre-ville et puis mettre la propriété au centre-ville. Ça fait du plaisir à tous les Louchois. Moi, ça me fait vraiment du plaisir. C'est une bonne initiative. Tout c'est pendant cette saison sèche, il y a trop de poussière, mais quand on est en train d'arroser comme ça, en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien. On nettoie, on balaye. Les gens apprécient vraiment cette action. Les efforts de l'honorable Josunda Chansa, maire ad intérim de Lubumbashi dans l'enlèvement des immondices, sont perspectibles aux yeux des observateurs et qui encouragent par ailleurs l'autorité urbaine à poursuivre cette même lancée pour une ville de Lubumbashi propre et assainie au gré des saisons. Vers la torsion, aujourd'hui on a torsionné la vie. Trop d'endurance. Endurance alors que c'est double pour moi. Pacificateur des poitrines de la diplomatie. Architecte aussi de la mairie. Histoire le premier qui change aujourd'hui. Doctrine de la mairie, c'est de toute la Kazakh. Même le président de la République qui pâte ma femme fort, ça y est, batat, ville il a changé. Toi tu es distraction. Ma maman on a foi cage. Ma maman bien qu'on a tumika. Si ma papa distraction et tout pile, t'as pas qu'à vous faire. Avec dans sa suite, la représentation des conseillers municipaux des communes de Lubumbashi, l'autorité urbaine a poursuivi sa patrouille pédestre au niveau de la grande place de la Poste
pour sceller les boutiques des personnes qui exercent leurs activités commerciales illégalement à cet endroit référentiel de la capitale du cuivre. Chose étonnante, une boutique de vente de téléphones sur loge, un restaurant dont les mesures d'hygiène laissent à désirer. Mais c'est ça mon appui quand on a la fenêtre. Une désolation totale pour Madame le maire, à l'intérim de la ville de Lubumbashi. Sur les avenues Sendwe, Mouero, Kapenda, Mamayemo, Lomami, l'autorité urbaine a informé tous ceux qui exposent leurs marchandises ou participent au marché ambulant à libérer la servitude de l'État sans aucune forme de procès, au risque de se retrouver dans les lignes de mur des forces de l'ordre. Après s'être investi dans l'assainissement sur le boulevard Moussiri la semaine passée, l'honorable Joyce Tunda Chansa, maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, a fait un constat de désolation sur cette artère avec le retour en force des marchands pirates. Ce sont les magasins qui ont payé les prix, car ils ont favorisé ces vendeurs à la... En tout cas, maire de la ville a fait que je vois bien ça. Parce que ngambo yoku afrika sai buchafu kuna kwa minga tu mama kuna kwa propre donc malari inakimbia. Là c'est très bien, c'est encouragé. Les problèmes des immondices au centre-ville, ce n'est pas seulement la mairie. S'il y a des associations, il y a des ONG, il y a des gens de bonne volonté qui veulent bien nous accompagner, ils sont vraiment les bienvenus chez nous parce que la ville de Lubumbashi nous appartient tous.